Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Wars The Old Republic. Donc, on va reprendre la partie sur Balmora Inquisiteur, toujours avec le même groupe. Et on va faire la zone héroïque. Donc c'est parti, au moins on est tous ensemble. C'est le groupe des bras cassés. C'est ça, le groupe des bras cassés, ouais. Et le groupe, qui n'oubliait pas au call, en mode, ouais, il faut aller faire ça, nous on va là. Comment ça fait mal, lui. Ok, ça. Faut qu'on fasse quoi dans cette zone? Il faut qu'on détruise des bombes toxiques. Ouais, tu vois les bombes là. Et vaincre, les, vaincre des fabricants de bombes aussi en même temps, il y a deux trucs à faire ou je rêve? D'abord, je dirais qu'il y a deux trucs à faire. Oh, merci à Testus pour le host. On a 9 viewers qui viennent de la chaîne des Testus, du coup. Et bah, merci à Testus. Maintenant, on peut les torturer. Mourez, c'est hérétique. Techniquement la première fois que je vois une notification de hosting sur mon appli de notif. Et le premier atout. Ah, que bonjour! Ah, en plus, il m'a lancé un raid en fait. Ah oui, voilà, c'est ça. Il vous a lancé un raid avec 13 personnes. D'accord, merci pour le raid. Ah, mais monsieur, ça fait plaisir! Mais grave. Alors, là, sur la gauche. Non, sur la droite. Heureusement qu'on se coordonne correctement. Hein. Je sais pas comment. Ouais, j'attaque. Hein. Où est ma souris? Elle est là. Chase, arrête de perdre ta souris. On a encore besoin de toi, chef. Non mais j'affronte un gars tout seul en même temps, Elite. En fait, on a fini le coup. Allez, au revoir. Ah, on a fini? Oui. Ah bah c'était rapide. Oh, j'ai drop un crâne. Youhou. Ah ouais. Moi j'ai plein de caisses de marchandises verrouillées donc. Ouais. Non c'est. Merci Seigneur Philippe. Attends, je voulais juste. Deux secondes. Attendez, patientez 30 secondes. Bien sûr. Je voulais juste vérifier un truc. 20 000. Non, je regarderai. Bon, je regarderai après le live, c'est pas grave. 20 000 2. 20 000 3. On va à la pensée de l'éloigner maintenant. Pour rendre les quêtes. On doit tout rendre là? On a rien d'autre à faire? On peut faire un. Ah bah, à moins que je me trompe, je vois aucune. Non, il faut qu'on vienne à l'avant-poste éloigné, ouais. Voyage rapide. J'ai si éloigné qu'on. Éloigné? Tellement éloigné qu'on peut y aller en voyage rapide. C'est pour dire. Reculer. Ok, alors. J'arrive. Et c'est écrit l'avant-poste reculé, pas éloigné. Mais... Pour moi, c'est l'avant-poste éloigné, donc... Oui, mais sur la map, il a un autre nom. C'est assez bizarre. Ouais. Ah non, pour moi, c'est sur la mini-map et machin, c'est l'avant-poste éloigné. Non, on va oui, mais quand tu utilises le truc de déplacement, c'est pas le nom qu'il a. L'espion était mort quand je l'ai trouvé. Sur la map, il s'appelle l'avant-poste éloigné, mais sur le truc de taxi, il s'appelle autrement. Tous ces efforts pour rien. Ouais, en tout cas, félicitations. C'est je mentionnerai vos actes héroïques. Il y a la borne et il y a l'endroit. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Je dois veiller à ce qu'on transporte l'arme. Moi j'adore la TP, c'est tout. Moi je peux une TP H24. T'as mis bien. Ok, donc ça c'est bon. Bombe toxique réussie. Du coup 36 000. Ah, nouveau, ouais, 000. Nouvelle armure. Oh, faut que je vois ça. Ça fait un peu bizarre avec les petites jupettes, mais. Ah, ça fait peur presque. Attends, ils sont où les autres après TP? Putain, mais l'autre il est. T'es déjà à l'avant-poste de l'avant-garde toi? Oui, bah, dans le sens où pour moi, c'est, je peux me TP à H24 en fait. On voyage ouais, rapide, on a plus de CD. Ok, d'accord, mais pas nous. Ah, attends, on va où? Ah, oui, non, mais. Du coup, ah, moi, je suis rapide. Oui, effectivement, ouais. Ouais, excusez-moi, c'est ma pote. Ah, là-bas. Elles sont moches, ces navettes. Téléportation en cœur rapide. En je fait, crois que c'est là. Attends, c'est on où dirait des navettes pour le carburant. Attends, ah, il faut monter à l'étage. Oui, c'est à l'étage. Et moi, je me TP encore une troisième fois à un autre endroit. Mais en mode dans la plus grande des silences immédiats. Ah, je peux pas là, je suis dans la navette. Non, mais je t'attends.
Prenez votre temps, y'a pas de problème. Et quand on regarde la minimap, je suis même pas à l'avant-poste, loin, l'avant-poste de l'avant-garde. Prenez votre temps pour venir, on n'est pas pressé. Hein. Après, il faut qu'on aille. Il faut vraiment là qu'on revienne limite presque à la. Alors, pas à la. Enfin, si, à la ville. À Gertie, tu veux dire Maegar Fell, il en a deux à la ville qu'il a pas pris. Ah, c'est bon. Attends, Maegar, il faut que tu cliques sur la conversation. Capitaine Lab, 83ème section. Que je ferai de mon mieux pour je pense qu'on va pas finir à niveau 40, Seigneur Philippe. Hein. Une de mes escouades a disparu. On l'a pas encore fini la planète. Hein. J'organise une opération. Non, en fait, quand vous serez niveau 50, vous l'aurez fini. Là. 45. Peut-être 45, quoi. Mais c'est vrai que là, ça va très vite. Hein. Ouais, comme c'est j'ai encore. Un... Ouais. Et c'est encore plus rapide quand tu as le déplacement rapide. Un long enregistrement du chef de votre escouade. Quasiment illimité, quoi, je veux dire. Merci, capitaine. Un holo enregistrement, on va dire. Je ne comprends pas. Attendez, cette carte de données, je reconnais ces marques. Ce sont les codes de sécurité que les traîtres ont volé. J'ai envoyé l'escouade du lieutenant Erral la récupérer. Et comment ça se fait que je l'ai en run? Ils n'ont pas réussi. Aussi rapide le machin. Je m'en rappelle plus. Apparemment non. Les troupes de la République n'ont fait qu'une bouchée de votre équipe. T'as ton armure à Els. J'ai servi aux côtés du lieutenant Erral pendant 6 ans. Elle est un peu spéciale. C'est intolérable. Je préfère celle d'avant. L'heure est venue de réduire ensemble tous les avant-postes de la République. Là, la tienne, elle est pas mal. Comment la 83e section change ses morts. Je vais organiser ce qu'il reste de mes troupes et je chasserai ces ordures de Balmora moi-même s'il le faut. Oui, d'accord, c'est une armure d'apparence. Nous, grâce à la. Je sais pas comment c'est possible, mais j'ai. Je ne sais même plus comment c'est que j'ai voyagé rapide dans. C'est pas un truc d'héritage. Je suis en train de regarder l'héritage, mais je le vois pas. Récupéré la carte d'accord. De données. La résistance avait percé nos codes de sécurité. Leurs saboteurs et leurs commandos auraient pu profiter de notre point faible. Ah non, c'est dans les articles déverrouillés. Vous avez fait un grand honneur à la 83e section et à l'Empire. J'aimerais pouvoir vous offrir une plus grosse récompense, mais vous êtes en train de parler, j'entends rien à ce que vous dites parce que j'essaie d'écouter ce que dit le mec en fait là. Ces chiens de la République vont regretter ce qu'ils ont fait. Moi j'ai développé d'accord. Une tendance à faire espace en fait. Oui, bah moi je fais une rediff pour que les gens profitent de l'histoire. D'accord. Donc je fais pas espace. Mauvaise habitude. Alors attends, il faut qu'on aille à Troïda, non? Pour le. Caldara, c'est la manufacture militaire de Troïda où tu t'es fait un voyage rapide? Mais non, moi, l'usine de droïdes d'Okara, moi, il y a que Maegar qui doit le faire. Non, je te parle pas de l'usine de droïdes d'Okara, je te parle de là où tu es maintenant. Oui, j'ai. Le désespoir, c'est que toi aussi tu dois faire. Oui. Le désespoir, donc, bah, moi j'y suis. Donc, on va te rejoindre. À Gorant. J'ai l'impression que ma quête elle est là-bas aussi. Donc, taxi de Troïda pour y aller. J'arrive. Ah non, mais lol! Attends, non, il y a un avant-poste impal de Gorant. Je pense que c'est plutôt celui-là où il faut aller. Ouais, mais je sais pas si vous l'avez le. Vous de... devriez y aller en taxi. Du coup, on va à Gorant ou à l'autre? Gorant, prends Gorant. Gorant, okay. Ouais. Mais je comprends mieux où je l'avais trouvé le, pour le déplacement. Pour certains trucs d'héritage. C'est dans... Quand on va dans. Après que le déverrouiller, on va dans autre. Bah, on peut très bien avoir le voyage d'héritage, voyage rapide réduit. Dans autre. Oui, dans ah, autre, oui, effectivement. Oui. Oui, là, par c'est. Exemple, utilitaire. Dans l'utilitaire. Utilitaire. Voyage d'héritage. Réduit. Voyage d'héritage, d'accord. Réduit de 2 minutes le délai de réutilisation, réduit de 2 minutes de plus et encore 2 minutes. Donc de 6 minutes au total. Oui, 6 minutes. Mais... Sachant qu'il est à 6 minutes de base, donc du coup, oui. Ça fait 0 à la fin, quoi. Ouais. Dans mes et ensuite, aussi du truc du voyage rapide, tu peux avoir le laisser passer de la flotte d'héritage qui fait que ça réduit le délai pour aller à la flotte. Ouais, 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 évidemment. Il y a mon équipement emporté actuellement et ma tenue active. Oui, d'accord, oui, j'avais compris. Et dans le truc autre et utilitaire, juste dans la dernière ligne, il y a la monture améliorée qui permet de l'appeler en se déplaçant. Oui, ouais, c'est le meilleur matériel et les meilleurs prix. Ce qui est quand même très utile. Et au passage, il y a une zone litigieuse là où je suis. Bonne une chance. Zone litigieuse là où t'es. Oui, la station Martel. Ah, mais on l'a déjà faite. Ah, ok. Je savais pas si vous l'aviez fait ou pas, donc voilà. Si, on l'a déjà faite avec Els l'autre soir.
Vous êtes trop fort. C'est quoi que tu savais pas, Seigneur Philippe, le voyage rapide? Bah, on attend les autres, hein, pour faire Cavillarine. Et après, il faut qu'on aille vers le sud. Il y a le secret de la grotte 52. Et plus à l'est, il y a... Moi, il y a ma quête principale perso. Et il y a plein d'autres... Enfin, il y a plusieurs quêtes héroïques aussi. Franchement, j'aime bien ta tenue de Jayce. On dirait trop un archiviste ou un truc dans le genre. Oui, c'est exactement. T'as un sort d'archiviste en mode « Viens pas me casser les boules, sinon je te montre tout mon sort. » C'est un peu ça, ouais. Puis on dirait presque que son armure, c'est une deuxième peau cybernétique, tu sais, un peu. Un truc dans le genre et... Ça donne l'aura, si tu viens me casser les boules, je vais te détruire avec mon savoir de manière telle que tu vas vouloir ne jamais être Attends. Désespoir, c'est la quête du monde, je crois, c'est ça? Donc, ouais, la quête planétaire, oui. Maegar, tu n'as pas prise la quête planétaire, du coup. Excellence, mes respects. Comment trouvez-vous Balmora? Moi, j'ai pris celle qu'on m'a donnée, hein. En fait. Quand tu es arrivé, elle est à côté du spatioport, en fait. Mais même, le problème, c'est qu'il faudrait la refaire depuis le début pour qu'il arrive au même niveau de là où on en est, nous. Non, oui, de toute façon... Pour oui. Une zone de guerre, ce n'est pas si mal. Alors, vous n'êtes pas ici depuis assez longtemps. Les troupes d'infiltration de la Résistance ont pénétré dans des avant-postes impériaux, attaquant vite et sans laisser de traces. L'Empire dit qu'on ne peut pas les arrêter. Moi, je dis que si. Eh ben, moi, je m'en fous de ton avis. Je parle là-dessus, voilà. Sont-ils de si effrayants? Vous ne les voyez pas avant qu'ils vous tuent, c'est ce qu'on dit. Mais j'ai fabriqué la technologie qu'ils utilisent pour rester cachés. Leur campement est dans la brousse de Gorinth, mais ils l'ont encerclé de mines pour éloigner les étrangers. Regardez où vous mettez les pieds, et vous pourrez utiliser cet appareil pour détecter leurs combattants furtifs. Oh, j'en ai mieux, on a vu. Mais ils pire, sont rapides. Pas vrai. Si je peux vous donner un conseil, frappez vite et bien. Ok. Ah, j'ai gagné une ceinture. Moi aussi, mais elle est complètement inutile. Ouais. Bah, je vais aller la vendre tout de suite. C'est genre, tu sais, il y a quelqu'un qui te fait un cadeau de Noël et t'apprends que le lendemain matin, il est allé le ramener au magasin sans rien te dire. T'sais. C'est presque la même chose. Pour aller le revendre, tu vois. C'est ça. Mais ça, chacun, pourquoi tu me l'as fait? Moi, je suis payé de ma poche. Tu sais, en te disant, mais oui, c'est un super cadeau, j'ai vraiment apprécié. En mode, j'ai économisé pendant 3000 ans et tu oses le faire, et de chacal, je vais te dire là, j'ai donc tu. Bon, du coup, on descend pour faire soldat furtif. Oui. C'est quoi ce soldat furtif d'ailleurs? Soldat furtif. Du coup, ouais, vous avez dû remarquer dans la cinématique, mais j'ai changé ma. J'ai vite mis visuellement mon ancienne armure parce qu'elle est, ah, c'est elle est déguisement. Mieux. D'accord, il faut utiliser un truc pour un appareil de détection. Pour neutraliser les technologies de camouflage. Attends, t'as un appareil de détection à utiliser en fait. Ah, je crois qu'on a trouvé des trucs furtifs, oui. Ah là. Bah t'en as trouvé tout un tas. Attendez, j'arrive. Attendez-moi. Il faut activer le truc qui est sur la quête pour les détecter. Regarde comme ça là. Oui, ça fait une sorte d'IEM pour découvrir où ils sont. Ah, j'en ai pas trouvé de plus. Pourquoi là c'est drill là? Il est pas dans notre groupe le mec qui est là. Ah merde, désolé. C'est bien l'agro, il est bien intelligent. Là. J'adore les mecs, genre ça les stun, tu sais. Par contre, je suis un peu triste parce que je pouvais pas les attaquer tant que leur animation de. Les trucs n'était pas fini, ouais. N'était pas fini, ouais. C'est un peu bête. Ah, attends, il y a. Qui a de la bioanalyse? J'en ai pas. Parce qu'il y avait une plante juste. Non, les réfugiés balmoriens, c'est pas les bons. Ouais. C'est pas ceux qu'on cherche. Ce ne sont pas ces droïdes là que vous recherchez. Là, sur la gauche. Ah, oui. Ah, là, là. Tu me rappelles l'un. Pour moi, c'est bon, j'en ai eu 9. Pour moi, ça me l'a aussi compté. Oh la. Ah non, j'ai tort d'arriver. Oh.
Appareil de détection. Ah oui. C'est bon, oh, les... oui. Non, qui c'est qui manque? Il y en a là. Ah oui, d'accord. Ah, attends, merde, vous êtes où? Non, ok, on est pas dans le côté. Moi, j'ai fini avec les furtifs. Oh, j'aime bien, il y a My Girl qui a juste fait un gros rototo sur eux, en mode je te rentre dessus. Et le mec en mode bah. Je meurs tellement que c'est fétide. My Girl, c'est pas bien de manger des flageolets et de faire le rototo dessus. Attends, il y a une quête sur la gauche, hein. Et donc je pète avec l'écrasement et je retaque l'écrit de force. Non mais le mec il le rote dessus avec la... après avoir mangé des flageolets. Doucement. C'est pas bien de faire du rototo de flageolets. Ça tue ? Touché, je répète, je suis touché. La grâce méridienne va s'écraser. La cargaison est trop importante pour la perdre. Un cadeau de Tech Ordan. La liste de caches de marchandises datant d'avant l'occupation. J'active tous les droïdes d'abord. Ils protègent le disque de données. J'attends, ça fait excitation. On ne va pas s'en sortir. Découverte de ces caches de marchandises pourrait provoquer d'importants dégâts à la résistance et télécharger les données. Nice. Ok, on en fait quoi du coup? Bon, on va... Attends, on va s'occuper déjà de ces mecs-là, parce que je sens qu'ils nous avaient, sinon. Jess qui loot une entrejambe. Bah oui, mais je veux dire, avec le haut que j'ai, c'est la seule chose qui irait très bien, c'est... un petit bikini, en bas. Ah, il faut aller plus à l'ouest. Je suis en train d'imaginer ça. Ne t'étouffe pas en rigolant normal. Quand même. On dirait le rire de Trichelieu un peu quand même. Lequel? Trichelieu, le tien. Ah. Je suis. Mais en fait, tu le savais pas, Jess, mais je tu suis. Tu es un prêtre de Ravia? C'est ça. Bien. La meilleure des religions. Non, je plaisante, la meilleure des religions, c'est. C'est le culte impérial. Non, c'est la vérité impériale. De Ravia. Le culte impérial de Ravia. Non, c'est la vérité impériale de l'empereur de l'humanité. Attention dans la caverne maximum de Jedi. Ah. Pour l'instant, je vois des administrateurs de la résistance. Moi, ouais, pour l'instant, je vois que des pions. Moi, je vois que des cadavres, moi, c'est normal. Ah, attends, c'est quoi cette conversation? Oh, non, j'ignore. Ah, d'accord, ça arrive. Il faut y aller, c'est là qu'il faut. On va, allez, vas-y. Il peut pas, Maga. Il peut pas. Ici Boone, qu'est-ce que vous voulez, caverne d'ambre? Mais vous ne faites pas partie de l'opération. Comment allez-vous entrer? Grâce à mon intelligence supérieure. Non, il est mort son plus gros joueur, c'était moi. Très bien. Oh. Je te tuerai pour ton masque. Les gens de ce complexe n'ont aucune importance. Ils ne sont pas une menace pour l'Empire. Non, j'ai appuyé sur le... Leur escorte est bien conséquente pour des personnes sans aucune valeur militaire. C'est pourtant la vérité. Ils sont sensibles à la force, et la loi impériale exige qu'ils suivent l'entraînement Sith. Ceux qui ne suivent pas l'entraînement sont considérés comme une menace, puis exécutés. En fait, et tout le monde ne peut pas devenir Sith. Certains sont mal lorsqu'ils découvrent leur sensibilité ou manquent simplement de volonté. C'est pourquoi ils viennent se cacher avec nous. Oh, tiens donc, il y a des... C'est parce que les deux, ils sont entre eux, enfin, en eux. Non, mais moi, je vois derrière les machins, les PNJ derrière, qui sont là, ouais, on fait genre qu'on voit pas. La force leur échappe. Qu'est-ce que pensait notre Jedi? Ils y sont légèrement sensibles. Oh oui, on va les tuer. Ils ne valent pas la peine d'être entraînés. Nous les conduisons sur des planètes de la République pour qu'ils y fassent quelque chose qui leur correspond. Mais l'Empereur ne cesse d'instaurer des lois exigeant leur mort. Moi, avec ma position, ben voilà, hein, je suis en mode... mai 68, tu vois. Alors, est-ce que le... Non. La loi. Vous êtes un monstre. Merci. Et nous, on cesse de vous traquer comme ma tel. Puissance vous a détruit. Merci. Bon, bah, allons massacrer les jeunes Jedi comme le faisait le grand Anakin Skywalker. Ah oui, avec son... Ça va, t'es bien installé, là? En plus, il est à moitié dans le vide, t'es en mode... Moi, je m'en bats les reins du machin, en mode... Ok. Avec Youngling Killer 9000. It's over 9000. Ouais. Ah. Sayonara. Arrivederci. Aïe.
Allons les tuer. Ils méritent pas la vie. Massacre au sabre laser. Je sais même pas ce que tu fais. Allez, niveau 41. Déjà. Mais oui, ça monte à une vitesse de fou. Hein. Mais oui, c'est clair. Ouais. Chazal. On demande un petit peu plus de silence quand on est en pleine conversation. Mais là, ça va, on est en combat. Il y a quelqu'un qui m'a tiré dessus là-haut. Jayce, moi quand je me suis retourné là, j'étais vu en train de faire la tempête de poudre et comme si t'étais en train de leur montrer la lumière. C'est exactement ça. La lumière. Jérémy se tourna vers l'homme assoiffé et lui dit: lumière, lumière, je suis ta lumière et resterai lumière jusqu'à la fin de la nuit. Et en plus, la lumière de la poudre. Attends, moi ça m'a fait trop rire en mode. T'es sûr que tu vas faire de l'ombre à Spock? Tout à fait. Mais Spock n'est qu'un subordonné de Jayce. Non, c'est là que tu te trompes. Spock est le grand Spock. Son pape. Vaincre les forces de la station, vaincre les réfugiés sensibles à la force, d'accord. Ah, un petit massacre. Bah, des innocents qui essaient de devenir des Jedi. Bonsoir, Aldebaran. Aldebaran. Nice! Il suffit juste de la faire sauter. Ah mince, je confonds avec Alderaan. D'ailleurs, ça me fait penser que je dois avoir des pouvoirs à. Ouais, j'ai un pouvoir à prendre. 38. Mais ça doit être un délire quand t'as que des sorciers Sith. C'est limite après, tempête. Mais... C'est littéralement une tempête inclassable. Attendez, doucement les gens, vous allez trop vite. Moi, je marche trop vite. Non mais on va pas trop vite, c'est juste que le sorcier Sith est trop puissant en fait. Vous avez oublié un réfugié là. Bah, on n'a pas fait un... On s'attendait en fait. Jayce, tu vieillis. Bah oui, mais il faut s'adapter aux anciens, les gens. Oui, c'est un ancien. Je suis votre aîné, vous me devez le respect par défaut. Ah oui, un aîné qui a 23 ans, bien sûr. Tu te trompes de quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on fait si c'est un défaut? J'avais plus que 23 ans quand The Old Republic est sorti. Faut aller en EHPAD. J'avais plus de 150 ans, genre, j'avais même 26 ans, donc c'est-à-dire. Il faut aller en EHPAD. Tu sais, Jayce, à chaque fois. Ouais, mais c'est bientôt la retraite, du coup, hein, vous allez devoir travailler pour me verser ma pension. C'est comme ça. Hein. Non, mais Jayce, moi je serais dès lors déjà expatrié en Italie, moi, donc. Non. L'Italie, c'est peut-être pas le meilleur choix, mais. non, mais parce que moi j'aime bien l'Italie, donc voilà déjà. Bah, moi aussi, je suis au 20ème siècle, ça va. On a fini ou il nous reste des gens à tuer encore dans cette zone? Ah oui, non. Attends, le secret en mission à Else. Hein? Quoi? Hein? Bah, apparemment, t'as pas encore tué toutes tes cibles. Ah bah oui, il m'en manque une. Quoi? Ouais, vas-y, si on passe par en bas, ça nous permet de refaire le tour et remonter ou... Ouais? Ouais. Même pas besoin de prendre l'escalier, il suffit de sauter par-dessus le mur. J'arrête pas de grandir. Alors c'est marrant parce que pour moi, parce que je suis pas proche de vous et que j'avais choisi, je pense, l'option côté clair pour le truc, il me marque pas les réfugiés sensibles à la force comme étant en rouge hostile, il me les marque en jaune. Moi aussi. Ah, vous aussi? Attends, il y a Galron le prodige, c'est une élite. Vous venez taper l'élite? Mais il y a une quête en même temps ou il y a quelque chose maintenant? Non. Non, ça veut dire qu'on peut-être qu'à un moment donné, il faudra revenir ici. C'est possible. Je vais juste faire le tour par là pour voir ce qu'il y avait. C'est quoi cette blague? J'ai looté un blaster tout à l'heure. Bah oui, moi ça m'arrive aussi.
pas l'utilité. Eh ben, va dire ça aux gens qui avaient un blaster sur eux quand tu les as tués. Ils pourraient tous avoir des sabres laser, même si c'est pas des Sith, quoi. Je me dis en même temps que Jace, que ça doit être un délire quand tu as, par exemple, trois sorciers Sith, tu vois, avec les éclairs, avec le dos. On a peut-être pas besoin de tous les tuer, juste les petits groupes qui vont aggro sinon. Et j'ai du retard à rattraper parce que monsieur est 41, je... Ouais bah moi je suis déjà niveau 73 donc toi tu as beaucoup de retard à rattraper par rapport à moi. Ouais tu peux les tuer mais ils n'attaqueront pas la première. Oui oui tout à fait, je sais bien ouais. Mais parfois ils sont marqués en rouge et parfois ils sont marqués en jaune, c'est bizarre. Hein. Après c'est peut-être que ils balancent une attaque de zone et ils sont dedans, ils passent par rouge. Ouais. ils sont que niveau 1 donc. Oh, c'est une puissance monumentale. Unlimited power. Carabouille. Non mais c'est, je veux dire, les mecs chez BioWare quand ils ont conçu la classe du sorcier Sith, ils se mettaient en boucle à longueur de journée la scène dans la revanche des Sith quoi. Ils se sont inspirés que de ça. Hein. Mais la version où Palpatine réussit. C'est ça. En fait, on est, je pense, le truc c'est que savoir que les anciens sites sont beaucoup plus puissants que les nouveaux sites, tu vois. Ouais, ouais. Au moins les plus puissants, tu vois. Par exemple, Valkorion. Bah, lui, il est l'un des plus puissants sites. Beaucoup plus que Palpatine. Ouais, ouais. Palpatine à côté, c'est un enfant. Ouais. Et un petit, hein, toi, enfin. C'est pour dire. Littéralement, parce que Palpatine, maximum, il n'avait que 120 ans. Ouais, mais en plus lui il pouvait transmuter son âme. Peut pas spoil. Manière Valkorion lui il peut transmuter son âme. Comment ça vous dites que Palpatine est mort? C'est ça que vous êtes en train de dire? Non, il est pas mort. C'est quoi ces spoils? On a dit pas de spoil sur le live. Ah j'ai pas spoilé. Bah Palpatine est mort, Valkorion. C'est un spoil quoi. Valkorion ça fait partie de l'histoire donc faut pas spoil. Et j'ai pas parlé de ce qui se passait dans l'histoire avec Valkorion. T'as spoilé la mort de Palpatine. Non, c'est pas, j'ai pas dit que Palpatine était mort. C'est pas moi qui l'ai dit en plus. Aïe. T'as dit il a vécu maximum 120 ans, ça veut bien dire qu'il est mort. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit en plus. Attends, l'original ou la copie? Non, mais ça dépend de quel univers on parle. Attends, on avait une quête juste en face là. Ah oui, l'officier là-bas. Imagine si Palpatine avait voyagé dans le temps. Non mais de manière. Non mais c'est bon, on va pas rajouter du voyage dans le temps à la Star Trek dans Star Wars, c'est déjà bien le bordel comme ça. Bah y en a déjà dans Star Wars. Oui mais bon c'est voilà quoi. Attendez. Non mais Caldera nous a pas attendu là. Le plus grand site de l'histoire c'est Jar Jar Binks, il a entièrement raison. Tout à fait. D'ailleurs, le plan original c'était de le tuer, balance à elle, si tu veux bien. Dark Plagueis. Ah, Dark Plagueis, le maître de Dark Sidious, hashtag Palpatine. Major. Mais en plus, normalement, oui. C'est Dark Plagueis qui a, entre guillemets, tué Anakin Skywalker. Non, je vous ai appelé immédiatement, monsieur. Il veut savoir ce que vous avez trouvé. Une salle pleine d'utilisateurs de la Force. Ouais, c'est ça, de l'ordre d'une de ses expériences. Vous avez entendu, la monsieur force, oui, il monsieur, merde, je lui transmets votre message. Anakin. Le Major salue votre rayon de victoire et vous informe que le squad exterminer les survivants. En ensemençant, ça m'a l'air. Ça n'a pas l'air bien compliqué. Et oui, ça, c'est dans le légende, maintenant qu'on sait en quoi consiste la marchandise, notre bataillon peut terminer l'opération au gaz. Il n'y a rien de tel dans toute la galaxie que des rebelles gazés fuyant une grotte pour se jeter sous les tirs de blaster d'un bataillon. Peut-être les levées de soleil, mais je ne suis pas du genre lève-tôt. Lève-tôt. Non mais. Ok. 25 000 encore. Ah, j'ai loot des gants qui sont totalement pourris. On va alors avant-poste de la victoire. Déguisement ou ouais avant-poste de la victoire. Ben moi juste à côté j'ai mon truc juste au-dessus, la route du pouvoir. Donc je propose plutôt de faire la route du pouvoir en premier. Donc c'est sur la route.
On suit la route d'ailleurs. Laissez-moi tranquille. J'adore les effets sonores qu'ils ont fait pour les véhicules. Ah, ils sont pas mal. Attends, y a un campement ici de Impérial ? Oui, un petit. Hein. Je vais voir. Une... Bon, y a pas de quête supplémentaire par contre. Ok. Comment je vous ai feinté quoi ? Attends, mais moi c'est vous juste. Permets pas, monsieur. Évidemment, je vous permets pas que vous permettiez pas. Non. Qu'est-ce que c'est que cette zone ? Canyon de Gorinthe. Waouh, mais c'est génial ici. Ouais, en plus c'est très franchement en termes de sensation, c'est pas mal. Ta tête est ici. Et bah pour le fun fact, la première fois que je suis venu, je suis tombé. Jaze, y'a une tête ici. Y'a quoi ? Y'a ta tête qui est là où je suis. Ma tête qui est là où tu es ? Non, ta quête. Ah, la quête. Oui, c'est... Ah, d'accord. Oui. J'ai aussi entendu une tête. Hein. Ici. Go. Ah oui, on doit venir secourir le fils de l'officier de la ville centrale qui est un site venant de Korriban et qui apparemment a été fait prisonnier. J'adore que Jade, son partenaire, fait deux fois ma taille. Vous êtes pas venus les autres ? Vous pouvez pas rentrer ? Moi je peux pas venir. Pourquoi ? Moi je suis un inquisiteur site, qu'est-ce que tu dis ? Bah tout à l'heure, le maraudeur il a réussi à rentrer dans la zone de... Ouais. Bah, je sais pas, mais pour moi je peux pas. C'est dans les paramètres. Mais dans les paramètres, j'ai fait autoriser. Attends. Dans quoi c'est dans. Sociabilité, autoriser l'accès aux mêmes phases de classe personnelle. Ouais, c'est coché, oui. Il faut que tout le monde l'a coché. Attends, je vais voir là, parce que là je sais pas. Dans sociabilité... Moi c'est toujours rouge. Sociabilité, autoriser. Ah si, là je peux. Ah mais non c'est bon là je peux enfin là. Voilà. Je l'avais juste pas coché donc vu que je faisais toujours avec tout seul ou avec la gente qui est pas de ma classe tu vois. Bon allons trucider des... Attends, c'est où qu'il faut aller par là-bas. C'est tout droit. Ouais. Je vais passer. Non, il est là, par là. Ah oh bah il a bien grillé hein. Si, normalement. Pas. Toi, c'est le vieux qui t'a envoyé, pas vrai? Il a dû recevoir mon signal de détresse. Et il est peut-être pas si minable que ça. Merde, il a le même mot que moi. Tu es le site dont il m'a tant parlé, c'est ça? Mais Seeker n'est pas un minable. C'est un homme intelligent. Ta Kamval, il aime vraiment pas ce que je fais, tu quoi. Tu parles d'un site. Les non-sites ben oui, ne sont temps, lui, que des pions dans notre jeu. Voilà. Rien de plus. Un fidèle serviteur d'un Seigneur. Maintenant, sans moi, j'ai voilà. Et surtout, ton père m'a dit que tu étais à la recherche d'un objet particulier. J'étais certain qu'il allait lâcher le morceau. De toute façon, le mal est fait. Mon maître m'a envoyé à la recherche d'un holocron. C'est comme si t'avais un gars qui était le serviteur de Yoda qui disait... Oui, oui, j'ai récupéré cet holocron. Maintenant, il ne me reste plus qu'à filer d'ici. Tu l'as sur toi, cet holocron ? Ne t'inquiète pas. Je le garde en sécurité sur moi. Cet holocron renferme une carte. Elle est censée indiquer l'emplacement d'une arme redoutable du côté obscur qui serait cachée ici, sur Balmora. Cette arme sera à moi si je mets la main dessus. Et j'y arriverai, maintenant que tu es là pour me libérer. Je te libère si tu me donnes cet holocron. Tu ne me fais pas peur. Je suis peut-être blessé, mais je suis toujours un Sith. J'ai retrouvé l'holocron. Il est à moi. Maintenant, sors-moi de là. J'ai pas envie. La seule chose qui sortira d'ici, c'est ton cadavre. Compte sur moi pour me défendre. Bah, tu le libères et tu le butes. C'est ça. On est 4 contre 1. 5. Ah ouais.
Peter Potts. Ah, excusez-moi. Bon ben voilà. Emballé, c'est pesé. Let's go. Bon, bah, moi j'ai fixé récupérer mon l'arme site du coup. J'en ai profité pour fixer mon interface. Voilà. Il y en a encore. Donc on peut sortir, okay, c'est bon normalement. Comment ça se fait que j'ai encore Kemval avec moi alors que vous êtes tous là? Ah, c'est peut-être parce que c'est en mission de quête. D'accord. De classe, je veux dire. J'ai remarqué ça avec Vett aussi, elle apparaissait à chaque fois. Oui, pour moi, bah pour moi, en dessous de ton icône, elle, c'est, il y a toujours Vett. Ouais, mais ça, moi aussi, je voyais. Alors, plus maintenant, mais tout à l'heure, je voyais surtout au perso les trucs. Il faut qu'on descende tout en bas, du coup? En gros. Bah là, on doit tous les détruire. Attends, laisse-moi le pousser! Oh, qu'est-ce que je rêverais d'avoir ça! Attends, quoi, tu lui permets de le faire déjà? C'est surcharge. Surcharge, ah oui, c'est vrai. Attendez, laissez-moi aussi le faire! Vas-y. Mais je pense attends, il est venu vers moi. Vas-y. Attends. Surcharge. Ah, oh, pas non, du bon côté. Vas-y, action! Ah là là, le mais nul, mais quoi. J'étais devant lui, il faut qu'il se projeté. Non! Ah, mourez, bande d'hérétiques! Reviennent. Oh attends, oh, j'ai une occasion en or. Vas-y, non, ils sont pour moi. Ne m'attendez pas, hein. M'attendez pas. Oh oui. Ouais. Oh, non, ils sont pas morts. ils me l'ont fait. Bande d'hérétiques, vous mourrez pour ça. Votre vie m'appartient. Oh, c'est qui va mourir le Jayce? Ah, c'est bon. T'es où là, Jayce? Là, je te vois là. Bah, je suis toujours en haut, moi. Je leur tape dessus depuis la plateforme du. Je te garde en vie, Jayce. Merci. Toujours bien d'avoir deux healers. Attends, celui-là, je me le fais, celui-là. Oh, vas-y. Non, mais il va pas mourir de là? Au moins que si. Regarde, non, mais je vais l'immobiliser. Ah. Hop, il bouge plus. Oh! Ah, merde, il est tombé sur. Je l'avais dit, Jayce. Je l'avais cool. Le genius, il le savait. Il le savait. Mieux que Madame Irma. Je suis la Madame Irma du futur. Non. Et mieux que ça, t'as droit tout le monde. Ouais. Parce que c'est comme ça que c'est marrant. Bien évidemment. Ah, bien sûr. Ouais. C'est pas marrant de n'affronter qu'un seul. Mais attends. Oh non mais lol. Ça se permet pas de mourir. Bon, ouais, ok, donc il nous reste à pénétrer à l'intérieur là, c'est ça? Oui. Entre autres. Ouais, phase de groupe, c'est quoi? C'est un héroïque, c'est ça en bas? Ouais, zone héroïque, feu stellaire. Oh. Allez, fouillez. En avant? Oui. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Oh bah attends, si ça c'est pas trop République, dites-moi ce que c'est alors. Où est-ce que tu vois République? Bah non, dans le symbole là sur les murs. Mais non, c'est pas République. C'est totalement ça. Et non, je vois pas de quoi tu parles. C'est la bannière de l'ancienne République en plus. Il y a un peu de Jedi aussi sur le bord. Oui, d'ailleurs oui, c'est beaucoup plus la bannière de l'ordre Jedi. L'ordre Jedi qui est mêlé à la République. Oui, ça c'est des Jedi politiques. Et ça s'est fait quand le fait que l'ordre Jedi soit sous l'autorité de la République? En moins 25 000 quand ils ont été. Salut Martomov. Salut Martomov. Le bump jump et grappin, ça rendait tout l'intérêt du hotball. Hein, le hotball, j'aimais bien moi à l'époque, j'avais pas mal joué, ça m'a fait bien marrer. Dans le canon. Oh, Tron! Tron, c'est où ça va? Dans le canon. Allons détruire!
en moins 1000 avec la réforme de Ruzan, il y a eu le fait justement que les Jedi ben, étaient plus liés à la politique. Et alors, c'est l'époque où ils ont aussi éliminé l'armée de la République. L'armée de la République et l'armée de la lumière. L'armée des Jedi. L'armée des Jedi, l'armée de la République et le fait que les Jedi étaient politiques. Enfin, ouais, c'est ça. C'est devenu un bande de, une bande d'ermites. C'est une bonne idée d'ailleurs. Et, bah, si, il y a eu 1000 ans de paix, mais voilà. Enfin, de paix. De paix relative, hein. Paix, c'est paix. Par exemple, à l'époque de la Haute République, on s'est pas tranquille. Et il y a, s'il vous plaît, c'est pas que j'ai besoin d'aide, hein, du tout, hein. C'est pour que vous puissiez avoir un peu d'XP, quoi. Ah. Dit-il. L'est-il ? Moi, j'étais en train de faire les modifications de mon son pour mieux vous entendre. Pour entendre votre si douce et suave voix. Oh ouais. Hein, quoi ? Ah, en PVE, le meilleur, c'est l'agent impérial en sniper. Ah oui, ça fait très mal. Et justement, avec Legacy aussi, tu pourrais être un soldat avec un sniper. Oui, bah oui. Bizarre comme concept. Il y a une quête en haut. Attends. Pourquoi j'ai aggro ? C'est qui aggro ? J'essaie de mettre un Jedi avec un sniper. Non, ça tu pourras pas. Ah, j'espère. Mais non, ce serait trop futé quand le mec qui fait des balles de force qui se détruisent. Ouais, voilà. En deux de something, quoi, je veux dire. On pourra pas mélanger des classes de des classes standard avec des classes de force en fait. Force à la force, la tech à la tech. Attends, on a fini ou. Non, il y a tout en noir. Ouais, il y a tout en haut encore un boss à affronter. L'unité centrale. Non, l'unité centrale. Et qui pourra faire des vrais Jedi noirs, c'est cool. Dans la prochaine extension, mais tu vas arriver. Ouais, parce que du coup, tu pourras faire un Jedi avec des pouvoirs obscurs. Oh, attends, il y a un Maren Atum, coordinateur défensif de la République. Oh oui. Détruit, ils ont besoin. Il ne revient pas. Et ça c'est important l'étranglement, ça permet que les trois autres tapent dessus. Bah moi j'ai les trop shot. Ah je l'ai buté pile au moment où il m'a bloqué avec son pouvoir. C'est bon. Ah bah y'a le comité d'accueil. Carrément. Mais ils ne peuvent rien faire contre ces DS. Notre paratonnerre. Deux paratonnerres, tu veux dire. Ah oui, deux. Et ce qui serait tellement bien, c'est qu'à un moment donné, tu reparles de l'origine des Jedi. Ah oui, les deux paratonnerres, Benjamin et Franck. Mais mettez-le au cachot, celui-là. Mettez-le au cachot. Champ de bataille en 25 versus 25. Il n'y a pas normalement des champs de bataille comme ça, genre sur haute. Oui, un peu dans le genre, oui. Mais c'est du combien contre combien? Ça peut être, c'est du 40 versus 40. 40 versus 40, pas mal. Ouais, ça peut aller juste à là, mais des fois c'est du 20 dans le genre, tu vois. D'accord. Comme le Hutt-Ball, tu vois, je veux dire. Oh, le général Akarzel. J'ai survécu uniquement parce que j'avais mes 10 packs. Général Akars. À l'aide, je vais crever. Sauvez-moi. Je te disais. Je te ressuscite, je te soigne, mon gars. Merci. Pardon, Els. Merci. Michou. Oh, et de rien, Michou. Ça, c'est les miens. Et toi, Michou. Mich. Attends, on doit scanner les coordonnées du générateur. Qu'est-ce que c'est, ce truc? En gros, il faut aller dehors. Pour repartir dehors. D'accord. Ouais, dans le bassin. On va faire un massacre. Oh, elle est là, elle.
Le père ça existe G. pas ça de pouvoir s'inscrire directement depuis l'interface et TP? Genre la recherche de groupe, ça fait pas ça? De quoi? Bah quand tu fais la recherche de groupe en JCJ par exemple, zone de guerre. Dans tu les peux pas faire ça comme ça? Ouais. Bah, le Philippe dit ce qu'il faudrait, ce serait de pouvoir s'inscrire directement depuis l'interface et hop tu TP. Bah, on peut le faire depuis l'interface. Bah ouais. Alors quand tu vas dans le contenu, activité, JCJ, tu vas dans l'onglet JCJ. C'est qui encore dedans? Caldara, tu... Oui, oui, désolé, j'étais en train... Attendez, non, l'activez pas maintenant, parce que Caldara est pas encore là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. J'y suis là. Bon. Tout le monde l'a dit. Est-ce que ça... Est-ce que le jeu a mal vieilli, les gens? Non, non, il a pas mal vieilli. Non, non, et en plus, il a des petits changements de par-ci, par-là, même juste visuel, des fois. Des cinématiques ont été améliorées, tout ça. Il a pas l'air de dire. Non. Faut pas forcément pour être un vieux de la vieille, de la première heure, ça va, ça bien vieilli. Bon, les autres générateurs ils sont, il faut remonter. Ouais, il faut remonter. Niveau 42. Oh, le jeu. Purée! T'as 4 niveaux d'avance sur moi là. Moi, c'est toujours la même chose quand je joue avec mon pote à Diablo 3, tu vois. C'est toujours des levels de plus en mode, mais wesh! Arrêtez! Oh, l'enflure, il a survécu sur le. Ah! Non, il est tombé. Et Aels, moi j'ai 4 de moins que toi. Yeah. Je te rattrape doucement mais sûrement. C'est bon, vous l'avez activé? Ok. Je vais activer l'autre. Où est-ce qu'il est l'autre? Oh. Attends, attends, mais tu... Caldara, t'arrêtes pas d'aggro des trucs et on doit les gérer derrière nous. Je me suis enfin débarrassé de mon casque totalement pourri. Alléluia! Pour la guilde, je pense qu'on va la faire ce soir en fin de session. Ah, moi je suis déjà dans une guilde donc. Ah merde, oui. Mais t'aurais pas un reroll qui serait pas dans une guilde? Bah, si tu veux, je peux me dégager de la guilde et puis voilà quoi. Ouais, mais s'il faut juste le temps de la. Alors après, je sais pas. Non, il faut pas qu'il y ait 4 membres minimum pour qu'elle continue à exister, mais après, il y a d'autres gens qui viendront la rejoindre. Enfin, moi, déjà, ouais, non, je bonsoir Red Phoenix. Salut Red Phoenix. Ça va et toi? Alors, on a fait tous les générateurs ou il en manque un? Non, il y en a un. Non, accéder à la tour de contrôle, il faut qu'on regrimpe tout en haut du coup. En ce temps-là, moi je crève. Ne meurs pas, non. Et comment on quitte la guild déjà? Non mais fais pas ça tout de suite. Je crois qu'il y a elle qui a à dire un fils à faire taire. Avec moi. Normalement. Quoi? Normalement t'as une gueule qui dit un fils à faire taire. Attends, tout le monde est là? Ah oui, putain, je suis là. Oui, c'est encore, ma quête de classe. C'est bon? Allez. Bonne nuit, Six Silver. Allez hop. Ça marche, Six Silver. Bonne nuit. Piou piou piou. Ah, je m'intéresse. Ah, je suis content de vous voyez dans la cinématique. Putain, mais c'est quoi, c'est un canon à ion de Command & Conquer ou quoi? Ah, Command & Conquer, c'est vrai, quoi, si je peux récupérer le jeu. Mais non, c'est un canon ion des taux. La taux va. A priori, Red Phoenix n'était pas du tout le seul. On croirait qu'on est rempart. J'ai entendu les rapports. Ah, Jayce, c'est ta faute. Les générateurs du bouclier sont en feu. L'opération feu stellaire est une réussite. Et c'est grâce à vous. Ok, donc après. Comment elle conquiert dans la tête là, c'est ta faute. Bah, à elle, s'il reste ta mission au sud là, on y va? Ouais. Oh, j'ai le masque que je voulais. Oh, ouais. GG. Non, pas du tout en fait. Je me suis à Draven, mais tu vois, ça passe aussi. Attends, mais c'est par là qu'il faut aller? Oui. Là. Ah, c'est en bas là? D'accord. Oh, toi, mais tu vas me lâcher les pestes, toi là. Écoute, Jay, c'est ta faute parce que tu m'as remis Command & Conquer dans la tête alors que j'ai le CD du jeu. Ouais.
Sauf que j'ai plus le livret pour le code pour le réinstaller. Ah merde. Ça, c'est la base. J'avais acheté il y a longtemps le jeu. Mais le pire, toi. Ouais, du coup, face Gary et Sith. Monsieur Hels. Ils allaient me voir avec mon magnifique masque. Non, mais c'est bien, c'est pour lutter contre pour le Covid que tu commences. Oh oui, t'es tellement élégant. Oh oui, j'adore. J'ai même une robe maintenant. Oh, quel homme. Mais quelle virilité. Aldebaran. Allez, ne vous battez pas, mourir. Kryptonisé. J'ai jamais vu South Park. T'as jamais vu South Park? Il va falloir parfaire ton éducation. Oh, hey. Désolé, mais moi j'ai grandi avec. Avec bon, un peu en retard Dragon Ball et Naruto. On voit que Jay, Dragon Ball, c'est pas trop ta génération. On voit que t'as aimé le Dragon Ball. Dragon Ball, je l'ai vu au début. Quand c'était au début. C'était pas mal. On voit Jace que quoi? T'as mélangé les termes exécution et éducation. Ah! Effectivement. Du coup, ouais, je me suis prêt mis à 10 ans trop tard à Dragon Ball. Ah, c'est au-dessus qu'il y a le machin qu'il faut libérer. Ah, c'est sur la droite. Yes. Libéré ou tué? Libéré, délivré. On a libéré de la vie. Non, libéré, tué, voilà. Allez, Zik, se crache libéré le morceau. Libéré de la vie. C'est qui cet agent qui vient m'interroger? Tu peux bien me dire ça au moins? Très bien, ne me dis rien, peu importe. Ça de toute façon, je dirai rien. Personne ne elle me dira rien. Elle est bizarre, là. Mais ça me rappelle quelqu'un, c'est ça le problème. Ah, toi, Nigel, est parti de sa passion possible, ok. Oui, parce que bon, je viens ça va, d'accord. J'ajoute tout. Mon père est un agent impérial. Qu'est-ce que tu as dit? Et je suis entré et j'ai été TP en fait. Tout ce que j'ai entendu, c'est je veux mourir. Ah, le casque. Oh non! C'est une zone interdite au public. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes qui? Pas vous êtes. Je suis la mort. Mais vous êtes quoi? C'est un site. Il va lui falloir un pantalon propre. On se fiche de ce qu'il lui faut. Moi, j'ai eu le temps de trouver ce qu'il me fallait. Oh. J'ai un mauvais pressentiment. Regardez derrière vous, site. Je vous présente deux escouades des meilleurs soldats de la République. Meilleur. Enfin un combat digne de la gueule du Je veux pas dire t'as tes narines qui dépassent du masque hein. Ce site sortira d'ici. Enfance créature. Oh genre de démon. Un genre de démon mort. C'est pour mieux te sentir mon petit. Attends mais oh. Ben, attends, moi, là. Mourir. Aïe aïe aïe. Bon bah voilà ce qu'on en fait de la meilleure escouade de la République. Ouais, j'attends toujours là, pour numéro était dessus, ouais. Rototo. Allez, lorsqu'il dit on la tuons-le. Ah, mort. Zix, tu peux le transformer en esclave. Zix, moi, Zix. Non, tue-le, il mérite debout pas. Vieux. Allez, moi, je suis en spectateur, en fait. Comme de mon... C'est une quête de classe. Vous n'êtes qu'un déchet pitoyable. Ah, oui, ouais. Vous avez raison, je vois rien. Pitié, je sais ce que vous me voulez. La République enquête sur mon père, et un agent est venu me réduire au silence. Mais je dirai rien, je le jure. Oh, épargnez-moi, je révélerai jamais. Mais c'est quoi, je vais te recruter? Non, c'est promis. Et d'accord. Tu seras le gars qui nettoiera mes toilettes dans mon vaisseau. C'est possible, tu es trop sympa avec lui, elle. Je vais me prendre pour un idiot. Très bien, si ça peut vous faire plaisir. Vous êtes un idiot. Tout ce que vous voulez. Lui, il est vraiment... Vous étiez en arrêt de mort, petit. Pour l'Empire.
la pomme est peut-être tombée de l'arbre, même un peu loin, vous mais êtes bon, des frères, ou... ça veut pas dire que la pomme... J'aime bien sa voix, elle super. Oh, ouais. Je sais plus trop où je voulais en venir. Pitié. Non, juste une... Bref, le... Ah oui, on dirait que c'est ton demi-frère. Attends, j'ai un père. Je vais mettre fin à mes souffrances. Ah, va, t'as le dos tourné. Et qui va mettre même pas voir ce qui se passe. Faible. Surprised face Pikachu. Putain, même Vette, elle dit ça, quoi. Oui, hein. Tout le monde n'a pas ton talent. Il a sali le sol. Compliment. Sali le sol. Je l'accepte volontiers. On en avait un de chasseur de primes avec nous tout à l'heure. Là, l'homme. Et tu veux la romancer ou quoi, notre cher, très cher. Il est pas me faire des petits. Tu veux faire des petits humains avec des tentacules sur la tête? Aels, toi t'es comme Magus en fait. Ouais, non, c'est vrai mais... qu'il avait un faible pour sa Twi'lek. Ouais, non mais moi c'est un armless bien moi. Qui était son esclave officiellement aussi. J'ai lumière 1. En fait c'est sa Vette en fait. Voilà. Vous avez combien en termes d'alignement? Je suis lumière 1. Moi je suis lumière obscurité 2 pardon. J'ai 13 000 points de lumière. 2 à 12 518. J'ai 150 c'est... de lumière, je sais pas pourquoi. Obscurité. Moi je suis obscurité 4 à moins 72 115. Obscurité 1 pardon. Non mais en fait moi c'est normalement obscurité 73 065, mais vu que j'ai 250 de lumière, ça fait que c'est à 72 000. Ah, attends, c'est très mignon de se fighter en sortant, mais je pense qu'on peut faire un TP là. D'ailleurs, moi, il faut que je... Attends. Ouais. On fait un TP, non? Comme vous voulez. Jusqu'à Gorant. C'est minable et j'arrive. Un TP jusqu'à Gorant. Et du coup, c'est TP où? Mais Jace, Gorant. Jace, t'as le Tomos site en chemin. Oui, bah, ah, ouais, c'est t'as des quêtes en chemin. Bah j'ai un truc qui est hop, merde. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah. J'ai rejoint Cavillari. Non, ça c'est pas moi. Mais attends, où est-ce qu'on est là? La route du pouvoir tombe aussi. Ah merde, oui, pardon. Bon, si vous voulez, j'y vais tout seul. Hein. Je vais faire ça. Non, rapidement. non, mais ça aurait été là, bien de faire. Il y a des de toute façon, il aurait fallu remonter, donc là on sera tout de suite en haut. Et il n'y a pas déguisement? Bon, si, il y a déguisement. Ah oui, non, mais oui, il y a déguisement. On peut déjà faire déguisement ensemble vu qu'on est au bon endroit. Attends, je reviens. J'aime bien ta monture à Els. Par contre, déguisement. C'est un hand spinner, sa monture. Je l'ai pas, déguisement. C'en est trois. Plus aucune attaque surprise. Bien. Ouais, je l'ai pas, moi. Le capitaine Rigel. Ah. Oui, c'était la quête du monde. Permettez-moi de vous dire que c'est un grand mondial. Plaisir de travailler avec vous. Bah, dirige-toi vers les missions des autres missions. Est une réussite que je n'aurais jamais imaginée. Ça va faire gagner du temps. On dit que l'ancien ministre de la défense de Balmora, Volargun, pourrait venir sur Balmora. Mais regarde, c'est trop bien, c'est pas ta fête. Magherfel est tenu sur Terre, Villarin. J'espère aussi. Maintenant que la brousse est sécurisée, nous sommes prêts pour l'assaut final. Le colonel Vrain, en charge de manière sarcastique. De la conquête impériale, est venu diriger les opérations. Il est à l'avant-poste de Sundari, à portée de tir de la base principale de la résistance. C'est maintenant ou jamais. Parlez au colonel Vrain. Ok, alors moi je vais aller faire le truc sur la route là-bas. Allons vers avec Jace. Bonne nuit, Signa. À la prochaine. Un peu plus, Signa. Oui, si vous voulez me suivre, suivez-moi. Hein. Non, mais c'est juste, en même temps, ça permettra d'aller faire la quête de cadeau de Tyke Jordan. Tout à fait, c'est vrai que. Et puis, même derrière, il y a les sympathisants de la résistance et le silence radio aussi. Ouais. Ça fera d'une pierre 5 choux, on va dire. 1, 2, 3, 4, 5. En plus, c'est ça, c'est une pierre 5 choux, comme par hasard, en plus, en tes suivants. Bien, bien trouvé. Le mec, il a eu il a paix. Il a juste regardé une pierre 5 choux, allons-y. GG, mon dieu. Mais gars, comment tu vas plus vite que moi? Attends, où est-ce que. On est tous les deux en speeder? Attends. J'ai speeder 2 ou speeder 3, je crois. J'ai pas pris la compétence. Mais c'est un truc d'héritage aussi que tu peux acheter. Sabre laser ouais, inactif. Mais il y a aussi la compétence. C'est quoi le sabre laser inactif? Oh là là. Et aussi, c'est que cette monture. Ok, donc la prochaine, il faut que je rentre à la ville principale pour la suite. Je pense que c'est la monture. Cadeau de Tyke Jordan maintenant. Ouais. C'est parti. Ah, elle, je pense que c'est ma monture précommande aussi. Peut-être c'est celle-là.
Laquelle de monture? Celle comme ça là. Celle que t'as aussi. Là. C'est l'édition collector ça. Le collector. D'accord. Et messieurs, ont du pognon hein. Ouais, bah, c'est le seul truc de ma vie où j'ai acheté l'édition collector. Ouais, moi j'ai acheté il y a 10 ans. Hein. Pareil. Précommandé, édition collector. Pareil. Est-ce que ça marche l'édition légendaire de Mass Effect? moi celle de Lorik. C'est le seul jeu où j'ai pris une édition collector. Il est là le machin de ma vie. Ouais, venu à Deban. Enfin, si c'est toi aussi. Non. Laissez-moi tranquille. Je suis confus. Oh attends, il y a un gros truc. Mais c'est toi qui viens de les invoquer, c'est ça? Oui, en fait, pour ouvrir le cadeau. Ça nous a compté la quête ou? Oui, il faut récupérer le machin à l'intérieur. Ah ok. Comme ça fait, on y va directement, tu vois. Notre trip à l'échec. Parfait. Cher. Attends, il me marque que. Ok, à elle, s'il manque juste toi, c'est bon. Donc, tu veux aller au calme maintenant? Attends. Non, il faut d'abord aller à la. B6 NX, ok. Oui. Donc plein nord. Par chez l'autre, vers Sundari, c'est une autre zone, tu vois. Donc autant aller faire Bates, machin, etc. On peut pas passer par là. Monsieur, on peut. Non. Il suffit de forcer un peu. Putain, monsieur, vous êtes ouvert, c'est ça? Et là, et il faut descendre. On va parler sur toute ta décadence. Ouais, toi. Oh putain, c'est haut. Non, oh putain, c'est haut. Ah! Je suis mort. Quoi, Maker? Je suis mort. Vous pouvez me ressusciter ou pas, Kada? Non, moi je suis pas mort. C'était un vrai boulet. Non, oui, c'est vrai, on peut se téléporter avec ce truc là. Non, non, mais le truc c'est que moi je suis pas mort. Oui, mais j'ai vu. Parce que je suis le BG que je suis, tu vois. GG. Non, mais il y a que les BG. J'ai adore vous qui peuvent réussir à faire ce que j'ai fait. Attends, mais Maigar il est mort. Attendez, putain, n'allez pas trop vite. Alès, t'as rien eu en sautant ou t'as fait le tour? J'ai fait avec les pierres en fait. J'ai pas fait tout en bas direct. D'accord. J'ai sauté sur les rochers en fait. D'accord. Mais quelle idée de sauter à plein. Mais j'en sais rien moi, attends, les Jedi normalement ils peuvent sauter de très haut sans mourir quoi. Ouais bah normalement les Jedi ils ont un double saut aussi hein. Voilà. Allez on y va, Alès. Vous là-bas, oui vous. Ah, j'adore ces deux-là. Mon compagnon a subi de graves dommages en affrontant l'ennemi. Pitié, aidez-moi à le réparer. Arrête d'importuner ces organiques. Je suis bien trop endommagé pour qu'on me répare. Lance plutôt la procédure conforme. Non, mais je te donne en plus cette quête. Je ne peux pas te laisser comme ça ici. Il est subi peut-être tellement triste. Je te ramènerai au quartier général entièrement rétabli, mon cher. Il le faut. Et Laurel est hardi un peu, les deux, non? Ils sont marrants. Ouais, je les trouve marrants, mais je crois que c'est plutôt des humains. Les droïdes pouvaient éprouver ce genre de sentiment. C'est mon alter ego, mon camarade. Je ne peux pas le laisser tomber et partir affronter cette guerre tout seul. Je dois le sauver. L'unité B6NX dispose d'un programme émotionnel expérimental, ce qui pourrait expliquer cette anomalie. Par 5. La camaraderie et l'empathie renforcent la cohésion de groupe et décuplent ainsi par 5 les capacités de l'unité au combat. Le résultat, c'est que ton programme t'empêche de surmonter mes dégâts et de privilégier les priorités de notre mission. Un échec total. N'écoutez pas ce qu'il dit, se passe à usage unique. On va pas aider les deux. Permettra d'ouvrir un casier d'approvisionnement secret dans la décharge à proximité. Tu casses le deuxième pour réparer un motivateur qu'on répare, mon compagnon. Utilisez le pass qui nous a été attribué pour me réparer. C'est ce qu'il veut, qu'il veut sauver l'autre. 6NX. Si les organiques veulent nous aider, qu'ils utilisent le pass pour trouver une clé d'intrusion, histoire de corriger ton programme émotionnel défaillant. Et si je ramenais un motivateur et une clé d'intrusion pour vous réparer tous les deux? Les clés d'intrusion et les motivateurs sont rangés séparément, et la carte n'ouvrira qu'un seul casier sécurisé. Je n'ai pas les capacités d'affronter les soldats ennemis, tandis que B6NX ne veut pas le faire. Croyez-moi, cela ira plus vite de corriger son programme défaillant. Partir combattre ces résistants t'aurait exposé à de nouveaux dommages. Je préfère éviter de prendre le risque. Tenez, prenez ce pass et trouvez un motivateur pour réparer mon ami. S'il vous plaît, je pourrais même vous récompenser. Je connais l'emplacement d'un autre casier secret non verrouillé.
Son contenu vous sera sûrement utile. Corruption, insubordination aux directives reçues. Les anomalies de mon compagnon sautent aux yeux. Pitié, ramenez une clé d'intrusion pour le réparer. C'est la force qui parle à travers lui. La corruption, c'est normal. Ton ami a visiblement besoin d'être reprogrammé. Putain, on le matériel dont j'ai besoin. Vous devriez faire 84, d'accord. La décharge à côté. Utilisez on a eu 266. Ouais. Vous a donné pour la retirer de son casier verrouillé. Qu'est-ce qui se passe si on a tous 166? Bah, c'est la majorité qui l'emporte. Camarade, t'imagines l'événement hors 66 déclenché. Bon, du coup, il faut qu'on aille par là-haut, c'est ça, pour récupérer le motivateur? Enfin, la clé d'intrusion, plutôt. Ouais. À l'autre bout de la planète. Non, c'est parti. Non, d'un Jedi. Non, d'un bâtard. Non, c'est des robots, donc c'est nom d'un boulon. Attends, il y a un truc sur la route là. Messager impérial. Allons lui parler. Un icône violet. Ouais, ça peut le faire des voix. Un instant. C'est vous qui avez brillé à Sobrick, n'est-ce pas? Le gouverneur planétaire m'envoie. Vous devez assister au conseil de guerre, priorité Alpha 1. Dans 52, oh yeah. Je ne me rappelle pas avoir contacté le gouverneur de Balmorin. Quand l'Empire vous place à la tête d'une planète, vous faites en sorte de savoir qui massacre la Résistance. Le Conseil Noir a envoyé un émissaire, un seigneur Sith haut placé, pour évaluer personnellement la situation sur Balmora. Ce Conseil de guerre déterminera la prochaine étape de la campagne terrestre. Les enjeux sont cruciaux, et le gouverneur sollicite votre expertise. Le gouverneur craint la colère du Conseil Noir. Il espère bénéficier de mon appui. Ah, mais je sais, c'est de qui... Je vous donne les autorisations d'accès nécessaires. Personne ne vous gênera. Mais faites vite. Le conseil va débuter d'un instant à l'autre. Bah alors du coup, attends, il faut faire quoi? Allez, tout de hein? Faut aller, aller au nord, allez. Oui, bon, bah ça attendra, hein. Ouais, ah, c'est un non. Conseil, c'est rien d'important. Ah oh, j'ai cru que j'allais tomber, Jayce. Essayons de pas gros, ce serait bien. Oui, qu'il me je reste... crois qu'à elle, ça a gros, hein. Ouais, un peu oh, trop. Allez, tu m'étais pas embêtant, toi. Eh, j'ai suivi ton chemin, alors commence pas, hein. Ouais, ça c'est mensonge, sinon tu serais pas... tu n'aurais pas gros. La société l'avait vraiment suivi, tu n'aurais pas gros, mon cher Hills. Élémentaire, Watson. Cette décadence est insultante. Votre décadence morale est toujours plus effarante que ma sur des ordres de décadence. Bien ton croiseur miniature. Sympa. Tu gagnes ça comment En fait, j'ai fait plein de caisses à un moment donné. Une bonne blague là que j'ai en tête, même si c'est pas vraiment une blague. Il y a un type de vaisseau que j'ai essayé de faire en 3D il y a pas si longtemps que ça. Et je me suis viandé. Mais sérieusement viandé. Quoi? J'ai pas cité les vaisseaux de type destroyer impérial. En fait. Yeah. C'est une torture pour moi. J'ai mon chat qui pète un câble, il commence à courir sur les murs. Il aime tes dans murs. Sur la droite là. Ah non, mais il faut passer, à travers là. Ouais. Au dernier mur. Ça me rappelle une petite vidéo de celui qui était en orbite. Et elle commençait à courir comme des dingues dans la pesanteur. Putain, attends, il y a l'autre là-bas qui met un gros. Je te soigne, Jace. Putain, mais j'ai fait proc obscurité écrasante. Bon, en fait, obscurité écrasante peut se faire proc par le flash foudroyant. C'est ça, oui. Flash foudroyant. Oui, un croiseur. Il est
classe le Phaser. Imagine s'il pouvait attaquer. Ce serait mignon à voir des petits. Avec des micro-soldats à bord. Ah, en mode Arthur et les Minimoys. C'est ça. Ou New au musée, mais. New au musée, ouais. Ou chérie, j'ai rétréci les gosses. Attends, vous êtes loin, il. Ah merde, attends. Non, il faut passer par là. Par là. Ah, il faut monter, ouais. Ah oui, il faut monter, ouais. D'accord. Non, c'est pas par là. Non, mais t'as pas vu qu'il est là. Non, a priori, effectivement, il faut. Ah non, c'est de l'autre côté, plus. Non, c'est la passerelle, c'est la passerelle. Ouais, mais on peut passer par là. C'est la passerelle en fait. Voilà. Ah bah on est vraiment le boulet en fait. Ouais, mais par contre. Non, monte pas, putain. T'as aggro l'élite en haut du coup. Et on a aussi aggro l'élite en bas. Ouais, j'ai même. Non mais. Mais j'ai même pas le temps de. Non, mais dans le sens, normalement, je voyais que j'appuyais énormément comme une gamelle et machin. Voilà. Salut à la guerre. What? Attends, on est revenu. On est tous morts. Ah, on est. Moi, je suis revenu à la plaine de Sundari. Ok. Ouais. Ah, bah, on a le colonel Grain à côté. Lan. Je sais. Oui, colonel Grain. Ouais. Salut à la guerre. À la guerre, pardon. Ouais, c'est sympa avec le véhicule blindé juste à côté. Donc c'est niveau 74 qui allait voir en haut. Hey. Alors, qu'est-ce que tu deviens à la guerre? Tu te fais vieux? De toute manière, on sort tous le vieux de quelqu'un. Ah, ça, c'est sûr. Oui, il est mort. Non, moi aussi. Putain. Mais qu'est-ce que vous fichez, les gars? Venez nous ressusciter. Mais vous avez fumé quoi? J'ai raté la plateforme en voulant descendre. Moi, je vous attends là-bas. Tu nous attends où? Tu nous fais une maman, j'ai raté l'avion. Ah d'accord, t'es direct là-bas. Oui, mais tu aurais... Bon, à elles, on compte sur toi. Ne te... meurs pas. Voilà. Oh, bordel. Ah non, c'est pas... C'est pas lui. C'est d'autres gens, ils doivent être morts de rire. À elles, descend. Mais père, moi, je me vois, mais... Je termine. Nani. Vous êtes où? Devant toi, là. Là, tu nous vois pas là? Non. On est au pied de la plateforme. Ah, y'a pas d'icône sur vous. Ah oh bah purée, je voyais pas, désolé. Non mais moi j'ai la rire là. Non, d'accord, les gars. Les inquisiteurs du fail. C'est le truc mort de rire. Ah, je peux pas te réanimer, Jay. Ah bon? Oui, c'est pas encore prêt. Je dois avoir un coup d'âne. Ah non mais c'était du gros troll. Moi vous me verrez, voilà. T'as de vrais mais de vrais boulets hein. Moi, je mais toujours de... Et moi, ça c'est en restant poli hein. Non mais boulet un jour, boulet toujours. Je te contredirai pas. Oh bon, oh là 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 là. Ça là, va a... gros. Là y'a un gars. Non, qui... ça va gros pas. Si. Jace. Moi j'ai un gros moi. C'est toi qui as un gros Jace. Voilà. Mais c'est toi qui as un gros. C'est toi qui as un gros Jace, pas nous. Bah oui mais il se déplaçait le machin, donc quand vous êtes passé vous avez pas aggro, mais moi quand je passe j'ai aggro. Là y'a un gars. Non mais les avances si tu t'éloignes très loin tu te suivras pas. Là y'a un gars qui tue les gars de dessus. Eh ben. Oh attends. En gros, Jace, il nous a fait une... Il va faire tout noir. Bon, on passe en force. Non, mais tu... D'accord. Attends. Ouais, mais là, à Else, c'est pas une bonne idée, ce que tu nous as fait. Bah, c'est juste devant l'accès, non? Je suis pas sûr.
On avait fait le tour, mais apparemment on pouvait aussi accéder de devant. Je veux pas dire, mais il y a un élite là, s'il vous plaît. Oh. Ah, il était pas là avant. Bah si, il était là quand tu as commencé à attaquer. C'est pour ça que j'ai dit que c'était pas une bonne idée. Bizarre. Je vois, vous êtes loin de... Enfin, moi derrière. Mais qui c'est qui a accro les autres? Merci de toi, même. Mais hein, c'est toi, Ryu. Non, j'ai pas une attaque de distance comme ça. Mais moi je fais pas aggro, donc c'est toi qui aggro. Par moi j'ai vu des éclairs. Moi j'ai vu que c'était toi qui avais aggro par proximité. Attends, c'était où le truc pour grimper là? Non mais restez groupés, putain mais... Non, c'est par là, c'est par là, c'est par là. C'est par là, c'est là où je suis. T'inquiète, je regardais juste à distance. Non, c'est pas là. Y'a voilà. Rien à loot. Mais par où t'es passé? Par la gauche là. Vous voyez pas là le chemin? Non. Ah en fait on était censé passer par le pont pour celui-là. Y accéder direct. Oui, il fallait passer par le pont. Et nous on trouve un meilleur moyen. Oh t'as deux machins, t'as un M4 Y10 et okay. Crozer. Bon d'abord on dé... Attends, est-ce qu'on peut... On se fait les trois qui sont en bas en premier. Ouais bon on va go, on va pas. Tac. Et la commande marche pas. La commande marche pas. Peut-être parce que t'es au combat. Même pas. Ah bah y'a les machins en haut qui sont morts. Oui y'a un gars qui les a tués, qui les dit pour... Wilco, je crois qu'il s'appelle. Wilco. Et là, il y a Iskania. Ah bah, du coup, vous allez devoir faire ça, moi. Merde, j'ai aggro un autre groupe. Je vais mourir, j'ai aggro un autre groupe. Mais on voit ça. Oh non, ouais. mais lol. Je vous aiderais bien, mais j'étais coincé, moi. Enfin, je suis encore coincé. Là. Non mais c'est que des sergents, c'est pas des élites. Non mais lol, j'ai même pas le temps. Mage, tu peux rester ou pas? C'est normal qu'ils m'ont ignoré ou c'est comment? Ouais c'est ça, c'est... Je peux appeler une sonde médicale, ça va me réveiller là où je suis? Oui, si tu fais la sonde médicale, elle te reste à l'endroit où tu es. Ouais, c'est attends, je sais plus si c'est toujours limité les sondes. Bah en fait quand tu n'es pas abonné, oui c'est limité, mais si t'es abonné c'est pas limité. Il est en limité. Tiens, ma... Oh ma... Du coup il est où le truc? Ah les gars, là, devant moi. Je peux te déclencher en défi pour que je puisse te sauter dessus? Attends. C'est là, c'est la volée, la clé d'intrusion là. Merci. La boîte coup, éloigne-toi, mais faut que tu restes dans mon champ de visuel. Ah non mais voler la clé d'un... Si ouais, voilà ça y est. Ah trop près, recule un peu. C'est bon. Ça a marché pour toi aussi? Ah je peux plus te voir maintenant. Saute. À elle, c'était monté pour aller récupérer la clé d'intrusion? Non parce que je suis coincé en fait depuis tout à l'heure. Je fais slash... Et ça marche pas? Unstuck. Ah c'est bon. Voilà. Merci voilà. Maga. Tu n'avais qu'à sauter à elle, soyons. J'étais coincé. Il littéralement était coincé. Il était keblo. Et tu, normalement, tu devrais pouvoir l'utiliser le saut normalement. Bah, c'est ce qu'il a fait pour se sortir. Oh merde! Mais c'est quoi cette. Ça m'a aggro, spawn dessus! Aggro. C'est quoi cette blague? Pas de sécurité anti-spawn? Moi j'ai aidé les droïdes pour faire. Ça m'a spawn dessus! Ouais bah ça arrive. Les aléas du direct, on dirait. Et du coup, ouais, je t'ai tapé dessus, c'est pas... Ah, pas de soucis. Ah, parce qu'on a encore un défi, oui. Là, ça y est. Arrêtez le défi, ouais, ça pourrait être une bonne idée. Ouais, mais du coup, merci, Mega. Du coup, j'ai réanimé Kaldara. Hein. J'ai des Keblo à elle. Ouais. Attends, si je me tape. Vous avez besoin de. Ouais, non, c'est pas vraiment sur la bonne route. Normalement, ça respawn. C'est bon, vous l'avez récupéré. Roté dans mes hauts à l'acquérir. Ilse, t'as toujours la clé à récupérer. Ouais, je me soignais au cas où.
Si jamais bon, c'est tout. Ok. Oui, est-ce qu'un TP ça marcherait ou on prend juste non. le voyage? Attends, il y a quelqu'un qui doit encore prendre. Maigar, tu dois prendre. Mais non, il doit pas prendre, il y a plus personne. Bah, sur ma map, ça me dit héroïque, fer d'armes, Maigar. Ouais. Moi, j'ai plus rien sur ma map. Si, je vois aussi Maigar, il faut que tu le prennes pas aussi. Attends que ça respawn en fait. Dans ce genre de cas-là, autant faire en même temps. Ça marche, cher Philippe, bon courage pour le boulot demain. Ah, bonne nuit, Philippe. Ah bah je crois qu'il vaudrait mieux faire le voyage rapide vu que ouais. c'est sur la même. Il faut aller à avant-poste impérial de Sundari et on revient en arrière. Et c'est beaucoup plus rapide pour le faire. Ouais. Parce que surtout ça nous évite de traverser la zone où il y a les mobs de haut niveau. Oh moi ça me dérange pas mais bon. Du coup on va où? Tu fais un TP jusqu'à Sundari, là où on arrête tout à l'heure. Ah oui Sundari. Moi j'ai pas tout. Moi je récupère les quêtes que je peux moi. Il y a deux quêtes Attends, tu prends les quêtes qui sont là? Oui. Il y en a deux normalement. Une là, avec le lieutenant Kuisun normalement. Moi, je Attends, les autres. Ensuite j'y retourne. Vu que je les ai, je vais vous attendre à BN. À B au B6 là. Oh. À elle, c'est. Vous êtes où? Pas vite, j'arrive. Ah, mais je te vois, t'es là. Veillez à respecter la notice des produits. Portez-vous bien. Et du coup. Il faut qu'on aille où? Portez-vous bien. Il y a une quête là. Ah, ouais. Je vais vous attendre aux droïdes qu'il faut. Putain, il nous en manque un là. Bah, moi, mais j'ai déjà. Maigar, t'es où? Bah, là. Maigar, tu l'as déjà pris celle-là? Je suis en taxi, moi. Attends, taxi. Bon, attends que Maigar arrive. Ouais, il est en train d'arriver. Dites-moi quand vous avez prévu la vôtre, comme ça je le fais. Parti. Vous faites partie des sites, n'est-ce pas? S'il vous plaît, il me faut quelqu'un ayant ses entrées partout pour une mission de récupération cruciale. La République a attaqué l'un de nos postes de recherche. Un vaisseau a pris la fuite avec les plans d'un tout nouveau Walker. Heureusement, nos artilleurs ont pu l'abattre. Il me faut quelqu'un de confiance pour explorer le site du crash et récupérer ses plans. Bon, je pense que ça va être moi. Nous, les sites, connaissons la valeur de la discrétion. Bien, bien. C'est le genre de choses qui révoltent les services secrets. Le crash a eu lieu ici. Oh, si jamais il reste des survivants, tirez à vue. Emmenez les plans à l'agent Nianla. Elle les mettra en sécurité. Merci, c'est une chance de vous avoir rencontré. Ok, et il y en a une autre. De l'autre côté. Observateur 8. Après le dépanneur, l'observateur. Bonjour, Observateur 8, service secret de l'Empire. J'ai entendu parler de vos succès. J'ai besoin d'une unité efficace et discrète. L'agent Veld, mon meilleur agent de terrain, n'a pas réussi à me contacter. J'ai juste reçu un signal de détresse brouillée. Je ne vais pas abandonner l'agent Veld. Il faut le retrouver. Peu importe ce qui a déclenché le signal de détresse, Veld y a peut-être déjà succombé. Sans vouloir remettre en cause votre expertise, il a survécu à des missions bien pires sans la moindre égratignure. Je peux vous donner les dernières coordonnées connues de l'agent Veld, près du terrain d'atterrissage principal de la République. Mais vous devrez vous débrouiller pour le reste. Nous veillerons à protéger votre agent et à accomplir sa mission. Heureux de l'entendre. Son signal de détresse a été envoyé depuis ses coordonnées. Je vais le prévenir de votre arrivée, mais il ne recevra peut-être rien. On dirait Bonne un chance. Peu un corset, cette robe. Ah, ça te sert okay. pas trop. Donc on retourne voir les frères B6 Anix maintenant. Normalement, ah, ouais. je... Allô, ouais, Holo appelle. C'est bon. Je n'arrive pas à croire que vous ayez ramené la clé d'intrusion au lieu du matériel pour mon ami.
Je n'ai plus le choix désormais. Ah, je peux rien faire. Je peux rien choisir, pareil, ouais. Tu feras ce que je te dis, droïde. Restauration du protocole de sécurité. Mise à zéro des fonctions de base. Merci de patienter. Si vous voulez m'excuser, j'ai pour mission de repousser l'ennemi du périmètre. Je dois rester sur mes gardes. Merci pour votre aide. Précieux. Non, c'est pas un jeu de 2003, Aldébaran. Oh, même pas. C'est un jeu de 2011. Décembre 2011. Pour être ouais. Facile. Faut pas confondre. 2003, avec c'était Star Wars Galaxies. Ouais. Écoute, ah, parce que si on compare avec Galaxies, alors oui, ce jeu. Ah, oui, là, c'est, ça n'a rien à voir, oui. Alors, ce que je vous propose, c'est que on peut retourner. Ouais, alors non, mais enfin, quand on va arrêter la vidéo, ça va être la dernière de ce soir pour moi. Ah, d'accord. Donc, je voudrais boucler mon dernier segment de la quête site. Mm-hmm. Et du coup, je vous propose, enfin, si vous voulez venir, de retourner au spatioport. Ouais, allez. Ah, j'ai des nouvelles bottines. Go spatioport. Et après on pourrait, vu qu'on est au spatioport, remonter à la flotte pour faire la guilde, si vous pouvez. Sur Brick, c'est ça? Vu qu'il faut être 4 pour le faire. Mmh. Ouais, bah il va falloir que je joue toute ma guilde alors. Bah, c'est ce que t'as dit que tu ferais tout à l'heure, non? Ouais, bah maintenant je vais le faire, moi, vu qu'on va devoir aller par la guilde. Ouais. Et moi je vais faire le truc de l'inquisiteur avant. Ça, on coupera à la fin de l'inquisiteur et la prochaine fois on reprendra la suite après quoi. Je sais même pas comment on fait pour tuer une guild. Pas dans J. Il y a quelqu'un par là. J. Il y a des gens qui veulent me rejoindre pour faire la phase site, inquisiteur. C'est pas slash j'quitte. Slash j'quitte. Comme ça. Comme guild kit. Quel sombre secret vais-je partager? Avec tous les niveaux que j'ai pris, j'ai zéro compétence supplémentaire. Quoi? Aels, tu me rejoins dans la zone d'inquisiteur ou pas? J'arrive, juste que je te trouve. Bah, je suis sur la carte. Ah. Mais le Rigos, qu'est-ce que tu fais là? J'ai le chat qui vient de se coucher juste à côté de moi. C'est parti. Bon, du coup, il va gueuler vu qu'on a tué son fils alors qu'il exigeait qu'on le ramène. Oh, c'est pas grave. N'approchez pas, c'est restez où vous êtes. Et surtout, ne me touchez pas. Attends, mais je sais même pas. Attends. Mais ouais, je suis le maître de la guilde. Il m'a tout raconté. On a dit, je vous ai dit que vous n'auriez pas votre sérum si vous ne l'aidiez pas. Et vous l'avez tué. Il vous avait trahi. Ne me forcez pas à vous tuer, vous aussi. Vous n'êtes qu'un meurtrier sans cœur. Vous avez pris du plaisir à le tuer, hein? Répondez. Attends, mais j'ai fait ce qui était nécessaire. Pour quelle raison c'était nécessaire? Je ne vous demande qu'une seule chose. Dites-moi pourquoi vous l'avez tué. Il voulait pas me donner son holocron. Nous avons des holo-images de la cellule. Les commandes étaient à côté. Vous auriez pu le libérer. Vous auriez obtenu votre sérum. Alors pourquoi? Il aurait fait la même chose. Non, il n'aurait pas agi ainsi. C'était un bon garçon. Je vous avais confié sa vie. Voilà, c'est bon, j'ai quitté la guilde du côté obscur. Il savait ce que ça signifiait. Alors, c'était comment? C'était loin d'être un bon garçon. Pour l'indiquer. Une boule de haine à son. Ouais, non, en fait, c'était juste que j'avais remarqué que j'étais devenu le maître de la guilde en mode. Vous n'aurez jamais maître de la guilde. Comment ça? Je vais vous tuer. Moi ça m'a fait pas. Ah. Il va me tuer. J'attends de voir ça. What? C'est quoi ça? Bon bah il est mort. Je lui fais un dans les airs.
Il y a la guerre qui est content. Ouais. Calmez-vous, Sith. Votre sérum est juste là. Le Major a sans doute eu ce qu'il méritait, mais qui suis-je pour en juger? Il n'y a aucune raison de s'emporter. Obéir ou périr, il faut choisir. C'est comme écoutez, la locale ou la voiture. Votre démarche. Vraiment, vous avez de grands projets et le Major se trouvait sur votre route. Très bien. Mais ne le prenez la pas mal si je vous dis que votre plan, c'est de la folie furieuse. Plus un plan est dingue, meilleur il est. Bon, allez, prenez ce sérum. Prenez-le. J'ai suivi à la lettre les instructions de ce bloc de données. Sur le fond, vous avez raison. Ce sérum devrait vous permettre de résister aux déchets toxiques du bunker. Mais il est également possible que le sérum vous tue. Je veux dire, à l'origine, il a été conçu pour les colicoïdes. Ne vous en faites pas, j'ai bien compris. Très bien, comme vous voudrez. C'est quand même complètement barge comme 4 ans. 55 ans. Pour rentrer à un endroit toxique, tu vas te modifier génétiquement, tu sais, pour supporter la toxicité du truc. Limité de doses, et si j'étais vous, t'imagines si tu gagnes deux nouveaux bras. Vous frayez un chemin à travers la base principale de la République pour atteindre le bunker. Mais ce n'est rien à côté de ce qui vous attend avec les colicoïdes. Je dois prendre un congé. T'imagines le changement de gameplay pendant que tu joues ton histoire? Ah, attends, j'ai récupéré. Bah, Aldebaran, ça a l'air intéressant, mais c'est mort et enterré, en fait. Non, t'as le SWG ému, si tu veux y jouer encore aujourd'hui, tu peux. Mais sinon, la vraie version officielle de Galaxy, elle est morte et enterrée, oui. Après, c'est sympa, c'est que là, je viens de gagner une nouvelle technique de non-niveau 74. Ah, cool. Et qui s'appelle électro-afflux. Oh, c'est pratique. Mais c'est dans les techniques de... Les étorsites. D'accord. Ah, mais d'ailleurs, le flash foudroyant, je viens de le débloquer au niveau 42, c'est pour ça que c'était quelque chose de nouveau. Ok, bon, je vais couper l'enregistrement là, du coup, prochain épisode, on va reprendre... alors, attends, le bunker, il est où? Faux-fuyant, camouflage de fou. Il est là-haut, d'accord. Donc ce sera, ça tombe bien, on retournera aux plaines de Sundari, on fera tout ça la prochaine fois. Et ensuite, il nous restera le centre de recherche Farnell. Et on aura basiquement fini la planète, en fait. Ah, ok. Vous, oui. Yes, oui, pardon. Bon, merci à tous d'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée et du coup à bientôt pour la suite de nos aventures inquisitoriales. Salut à tous.